Marie habitait elle aussi la rue des Foulons. Elle était sur l'autre trottoir d'en face et à mi-hauteur de la rue. Dans cette rue donc, quel que soit le temps, les gens sont souvent dehors à leur porte, avec une chaise parfois à regarder ce qui se passe, et les autres gens. C'était la fin de l'après-midi. Freddy était assis sur sa mob qui se tenait debout sur sa béquille. Contre lui, il y avait son amour. Ils étaient bras dessus, bras dessous. À se tenir l'un à l'autre, accrochés. Ils s'aimaient tellement fort que parfois, ils n'avaient plus rien à dire et étaient là, comme ça, des heures durant, à regarder la galerie. Il était bio, les amoureux. Là, maintenant, qu'on aurait dit depuis si longtemps qu'ils se recueillent. Eux, ils étaient magnifiques. Il faisait si froid. À la fin, ils se ressaisirent. Ils sourirent alors de leur atermoiement qu'avait duré pas mal de temps. Et s'attendrissant, ils s'enroulèrent une tellement digne que les passants étaient forcés de baisser la tête à leur alentour. C'était comme une offrande faite à l'amour. C'est le bruit des mobilettes qui ramena tout le monde sur la terre. Les copains à Freddy étaient venus le chercher. Freddy piqua un phare dans ce boucan des accélérateurs alors que lui était attendri, que les autres rigolaient de lui. Marie haussa les épaules, puis en faisant une caresse malgré tout sur le casque à Freddy qui l'avait remis, rentra à sa maison, défaite. Freddy prit la tête de la file indienne qui descendit la rue des Foulons comme pour venger sa gêne, ce complexe qu'il avait toujours et qu'il frappait à chaque fois. Qu'est-ce que ça peut emmerder le monde, ces mobiletteux qui cassent les oreilles des braves gens, là, qui saignent la sérénité des villes?